Invité du Buzz Télévision de Télévision Magazine ce jeudi 8 juin, Olympe, The Voice 2, a affirmé qu'un gagnant de l'émission ne l'appréciait pas et a expliqué pourquoi. En 2013, Olympe se faisait connaître du grand public pour sa participation à la saison 2 de The Voice présentée par Nikos Aliagas sur TF1. Même si le chanteur n'a, jusqu'à présent, pas eu la carrière escomptée, l'ex-candidat en garde un souvenir mémorable. Invité du Buzz Télévision de Télévision Magazine ce jeudi 8 juin, Olympe, devenu papa d'un petit garçon avec son compagnon, est revenu sur cette expérience. Franchement, c'était super. J'avais l'impression de vivre un rêve. J'arrive sur le plus grand plateau d'Europe, sur la plus grande chaîne d'Europe. Je vivais mon rêve. Après, l'aventure en elle-même, s'est super bien passée, sauf la fin où j'ai perdu. J'étais surtout malade les deux dernières semaines. C'était un point négatif de la fin. Après, je n'aille pas gagner 50 000 euros comme Top Chef. L'artiste a toutefois signé dans une maison de disques et remporté un disque d'or. Olympe en froid avec un gagnant de The Voice. Je crois qu'il ne m'aime pas trop. Durant l'interview, Olympe a avoué n'avait gardé aucun contact avec les autres candidats de sa promotion, notamment le gagnant, Johan Fréget, avec qui il est en froid depuis quelques années. Il y avait Louane avec qui j'étais assez proche, mais on s'est un peu éloigné à cause de notre entourage artistique de l'époque. Johan Fréget, je crois qu'il ne m'aime pas trop. Il a gagné mais à chaque fois il m'énerve. Il dit dans les médias que j'étais favorisé par la production, etc. Mais si est-il lui qui a gagné? Si est-il ça que je ne comprends pas? Du coup, pas de nouvelles. Après, Anthony Touma, on s'était vu sur les All Stars mais il habite maintenant à Dubaï. Et puis les autres, pas de nouvelles. Louane était un peu comme ma petite sœur en 2013, alors âgée de 16 ans, Louane était l'une des plus jeunes candidates de The Voice. Pour rappel, la jeune femme avait interprété le titre Un homme heureux de William Scheller et avait fait retourner les quatre coachs de l'époque, Jennifer, Louis Bertignac, Garou et Florent Pagny. Face aux journalistes Damien Canivet et Sarah Lecoeuvre, Olympe s'est confié sur ses rapports éloignés avec la chanteuse de 26 ans, il n'y avait pas vraiment de problème. Si est-il juste qu'à l'époque on avait les mêmes agents et du coup, moi j'avais eu mon disque d'or, j'étais en train de préparer la suite. Elle préparait son film, La famille Bélier. Après, on connaît la suite. Ça a pris de l'ampleur et je suis très heureux pour elle. Du coup, moi, mon contrat se terminait avec l'entourage artistique et ça a un peu verrouillé tout ce qu'il y avait autour de Louane. Toutefois, Olympe n'éprouve aucune rancune vis-à-vis de Louane, en tout cas je suis de loin son parcours et je suis très heureux pour elle parce que c'était un peu comme ma petite sœur, a-t-il renchéri.